Bonsoir tout le monde sur Télévision nationale d'Haïti dans le téléjournal là rapidement mais plus gros point nous allons développer pour vous. Mais grand titio Assoya, secrétariat technique État généraux sectoriel nation a présenté mercredi 20 juin perspective pour reste année parmi activités qui prévoient yon forum qui doit dérouler dans le département nord-ouest pays à 22 juin cap venir là. L'État haïtien engagé pour le payer droit à retransmission mondiale là pour un montant 2,5 millions de dollars permettre population vive mondiale là. D'après le ministre qui tient à la communication, Joseph Guilherme-Sedelva, qui a intervenu jeudi sur un ensemble point dans l'actualité. Dans souci pour honorer mémoire ancêtres noyo, plusieurs monuments a construit sous site Bois Caïman en pleine Dino. Le ministre qui tient à la communication en tête une délégation qui était gain là dans l'ancien Premier ministre Evans Paul lancé travail à Yamadi 19 juin. Actualité à plus loin, la CAI, États-Unis, décidé quitter Conseil droit monde dans l'ONU. Yon annonce ambassadeur américain dans Nations Unies, Nikki Haley, fait mardi 19 juin. C'est pour ça qui va le faire essentiel. Le journal là, été branché, Naptounet. Chaque jour dans la vie, on est pour faire un choix. Mais c'est où qui pour faire choix qui est plus intelligent. Yon choix qui permet de gagner une société qui est plus moderne, avec machine agricole qui est plus performante, avec développement plus route qui peut mener au pile. Objectif Lille Mobile, c'est bon résultat pour assurer satisfaction chaque mois. Lille Mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que l'on entreprend chaque jour dans la vie. Développement société, quel que soit domaine ou pévolière, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur tout appareil à toute machine. L'IPAP jamais la guerre en route et l'ICE partenaire à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Caoutchouc sin top tête chat sa yo encore. Mais pas gamin, c'est sale caoutchouc qui sorti dans top taise pour mettre en bas votre machine ou ou a joindre tout côté pour les caposer. OK. Pas oublié. Top taise. C'est Fun Wash, Chiré Route, Cochiclou. Ah, Gonji Boulmbajoué. Vends-moi 4 caoutchoucs. De quel gros cher oublier? Quoi? Top Tires, c'est Fun Wash, Chiré Route, Cochiclou. Si moun remè, jugo, comme moun remè,
Hugo, c'est un produit séjourné. Bienvenue dans Développement Journal là, responsable secrétariat technique, organisation État généraux sectoriel Nation 1, présenté mercredi 20 juin pendant une conférence pour la presse, perspective comité pilotage là pour RES-ANEA, secrétaire exécutif secrétariat technique, organisation État généraux sectoriel Nation 1, Luino Pierre, dans intervention là, annoncé un forum dans le département nord-ouest PIA, 22 juin Cap Venila. Luino Pierre fait qu'on est comité pilotage là. Déjà, il y a plusieurs rencontres avec divers secteurs en vie nationale là, sorti 4 mai pour arriver 15 juin passé. Pour Luino Pierre, État généraux, c'est moyen pour la population à proposer l'État solution qui a aidé le pays à avancer. En suivant. C'est un calendrier qui est extrêmement serré. Et qu'on a garanti que nous avons ces disciplines et rigueurs pour le mettre dans. Réalisation, rencontre. Et je crois que nous commençons même gens, par exemple, nous, de 4 mai à 15 juin, nous réalisons à peu près une quinzaine de rencontres avec le secteur. Et quasiment, ils ont rencontre par jour, et deux rencontres par semaine, et parfois même trois. Donc, on gagne. Et là, nos programmations, là, nous commençons avec. Parallèlement, rencontre forum départemental. Et nous avons un calendrier très serré. Par exemple, même équipe, très grande équipe d'Al sur le terrain ce maintenant. Ils ont retourné hier. Et il y a pris partie demain avec toute équipe là pour faire forum dans Nord-Ouest le 22. Après, le 23, on a fait une sorte de table ronde et Jean Rabel. Et même équipe là, tout parti dans le Nord pour aller faire, pour aller rencontrer le secteur au niveau section communale. Et pour que le 30, nous réunissions tout le secteur dans la capitale, enfin dans le chef-lieu. Et dans le chef-lieu, là. Et le 30, c'est Nord-Est, et Fort Liberté. Et puis le 2 juillet, c'est au Cap-Haïtien. Donc, une bonne équipe qui a fait travail de terrain. Hein. Et ensuite, nous avons des grandes rencontres. Alors, rencontres de terrain n'est pas médiatisées. Ce n'est pas médiatisé, c'est des ateliers de travail. C'est de capter dans des séminaires que vous voyez de formation. Donc, je pense que pour l'instant, nous restons dans le délai, nous restons dans le calendrier et nous avançons. Si nous faisons l'état généraux, c'est parce que la société a gagné des problèmes. Je pense que dans le cas où tu es sur le dit à l'heure, il y a des gens qui disent pas chita. Je pense que tu as évoqué des raisons, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont subi des attaques ou des accusations, ça a causé des blessures. Et dans cette société, ça a un pile groupe, un pile monde qui subit des blessures là-dedans. Et ça blessure, ça, le fait que nous ne pas jamais mettre mots sur eux, nous ne pas jamais verbaliser eux, nous ne pas jamais prendre temps pour nous retourner sur eux, qui fait que ça bloque nous, même pour nous faire des bagages positifs. Donc, État généraux, en fait, au-delà de questions purement techniques pour bon pacte, c'est un moment tout pour la société à retourner sur ces deux expériences douloureuses qu'elle fait. Il faut que nous pas peur parler parce que les que nous pas pété abcès et que y a toujours dans nous y a toujours là dans tête nous et n'oubliez yo et le plus une réaction que nous pas gain contrôle sur yo c'est blessure ça yo qui surgit nous entendons parole et puis comme si le bon bouton le pesait dans nous réagit et donc État généraux pense que son occasion à la fois pour qu'on pacte mais pas que ça. Et il n'est pas vraiment viable si que la société Apagon on travaille en profondeur qu'il fait sous lui, que ce soit depuis notre histoire, nous, et nous avons des images que nous toujours dit depuis la Guinée Nègre. Je pense que c'est un moment pour nous réfléchir sur une série d'expressions que nous avons. Et question, Zami près, c'est côté de coteau de bord, et Zami loin, c'est l'argent serré, ou bien Poisson fait de confiance, c'est Poisson qui tue. Donc, ce langage de méfiance, de peur par rapport à nous-mêmes, je pense que ben, ça va bloquer nous. Donc, État généraux, c'est un espace pour nous capables de retourner sur nous-mêmes, retourner sur l'histoire, nous, retourner sur blessures que nous gagnons comme société, comme individu, et pour nous capables de dépasser, pour nous rentrer dans un rapport beaucoup plus pacifique avec nous-mêmes et avec l'autre. Pour membres du comité pilotage, État généraux sectoriel nationaux, elle permet différents secteurs réunis et puis réfléchir sur quelques expériences qui ont été faites déjà pour aider les sociétés à la prochaine décision l'État a bien pour prendre.
membre comité pilotage état généraux sectoriel nation hein, dit y arriver dans phase rencontre avec population. Cependant, yo invité tout secteur rejoignent yo dans rencontre avec forum yo pour permettre plus action positive posée dans la société. État généraux ça a fait nous un pile monde qui les soyez. Est-ce que pays a vraiment intéressé? Est-ce que problème parce que l'État général, ce n'est pas un pour chiter ensemble, c'est un monde qui n'est pas d'accord avec nous pour nous chiter, pour nous parler. Dans la phase que nous arrivons là, qu'on y a là, c'est la phase pour nous à joindre directement la population. En même temps, nous avons continué à rencontrer le secteur dans le bureau, nous, mais en même temps, nous avons une équipe qui est sous terrain pour chiter avec nous. Ce n'est pas pour nous dire qui ça ouvre, non? C'est eux-mêmes qui ont dit non, qui ça a voulu, comment ils ont aimé pays en gouverner, comment ils ont aimé venir gagner un pays vivant ensemble vrai, et comment tout n'a pas sorti dans toute tête chargée que nous y a. Parce que maintenant, tête nous, Haïti pas de ça. Si nous venons non délabrement qu'on y a là, faut que nous cherchions cause profonde. Alors c'est ça que fait le président Jovenel. Lui créer comité ça pour permettre que nous-mêmes, parce que ce n'est pas lui-même seul qui a fait tout le travail là. Et nous toujours dit c'est une occasion en or que nous jouons. Bagay que nous avons dit anti-cellule, qu'on y a là, nous jouons un président qui est conscient, qui dit bon, faut que bagay yo change. Et ça fait longtemps que nous avons souffert, mais personne n'a jamais eu conscience pour dire que y a un problème. Mais le président Jovenel dit oui, il y a un problème. Et le problème pour le résoudre, c'est voir tout le monde qui peut compter. L'autre point d'actualité, ministre Kilti à communication, Joseph Guilherme-Sedelva, a annoncé prix gaz là a bien pour ajuster sous marché national là. Ministre l'en fait connaître, il a communiqué qu'a bien pour sortir sous dossier ça. Il y a un extrait dans micro Rachel Saint-Fort à Fresnel Toussaint. Gouvernement pas qu'à continuer la subventionner un prix gaz qu'il pas fait, qu'il pas produit. Pendant ce temps, comme la paix du ya, c'est pas peuple haïtien qui joigne ni. Je me dis pas peuple haïtien, je me dis l'autre monde pas dans peuple là. Alors, je dis pas monde qui pi défavorisé qui joigne ni. C'est monde qui pi riche qui joigne ni. M'a répété chiffre là, nous t'entendons déjà, m'a prédit. Plus de 90% de comme ça que l'État subventionné gaz là. Là, il y a 20% de monde qui est plus riche dans le pays. Mais qu'on est, est-ce que nous voulons pour le gouvernement? Ou bien, pas même gouvernement, non? Pour le monde qui est plus pauvre dans le pays, parce que taxes pour l'État, c'est comme si le monde qui est plus pauvre là contribue là dans le tout. Imaginez, pour avoir un corps de monde qui est en bas, qui est plus pauvre déjà, pour enrichir le monde qui est riche déjà, le gouvernement pas qu'à continuer à subventionner Gaza. Donc, prix Gaza pour salier. Nous va augmenter, non, pas une augmentation de prix gaz, non, fait non. Gouvernement pas fait aucune augmentation de prix gaz. Gon prix sur marché à la juste prix lié à. Et ben nous, si l'augmenter, c'est producteur gaz, produit pétrolier que nous connaît côté yoyé. Si nèg yo veut faire des fois yo qu'on fait des bail artificiels pour faire monter pour intérêt pas yo. Donc non, nous mettre suivre parce que le fait là, qu'on communique qu'il a sorti, n'a pas connaissance, il n'y a pas qu'il a fait en cachette. C'est déjà son mesure pour l'appliquer, il n'y a pas qu'il a fait en cachette. Donc, nous allons suivre. Et au moment opportun, il y a une note qui vous sortit pour dire exactement qui s'allie. Dans une conférence spéciale, ministère communication, mercredi 20 juin, ministre Kilti à communication, Joseph Guilherme-Sedelva, parler sur ensemble point d'actualité à parmi eux question droit retransmission mondiale là ministre Joseph Guilherme-Sedelva a annoncé l'État haïtien engagé pour le payer droit retransmission mondiale là pour un montant 2,5 millions de dollars pour permettre population vive mondiale là d'après ministre Lam. Ministre Lam a demandé toutes médias qui bénéficient droit ça pour passer message gouvernement spot institution publique pendant mondial là dans les posio. Un extrait dans micro Rachel Saint-Fort à Fresnel Toussaint. Semaine ça même moi faire une rencontre lundi avec représentant ANMH France Duval. ANMH c'est l'Association nationale des médias haïtiens.
te gagne tout Venel Omaré qui c'est représentant AMI, Association des médias indépendants d'Haïti. Mais ça n'a pas dit à concerner tout l'autre média tout qui pas obligé dans l'une ou l'autre dans deux médias. Ça m'a dit pour nous que l'État haïtien, avec malgré toutes difficultés que l'a fait face, c'est accepter payer droit mondial là, droit de retransmission mondial là, pour permettre que le peuple haïtien capable ouais mondial li, parce que nous comprenons qui ça veut dire pour peuple haïtien capacité pour capable garder mondial football là, mais pas oublier que mondial là son jouette, c'est un bel jouette son compétition, mais n'abdou son business que lié tout et médias sont entreprises liées, sont entreprises commerciales. C'est vous le capable de caractère public dans le sens pour mission que le gagne pour éduquer, ok, informer, éduquer, sensibiliser, etc. Mais avant tout son business que lié. Donc médias qui doivent payer pour le gagner droit pour le transmettre mondial là dans l'autre pays, c'est comme ça le fait. Le gouvernement qui doit dire pas qu'il y a aucune responsabilité pour qu'il oblige à payer droit que des entreprises privées qui a fait comme c'est normal pour faire entrer eux. Donc le gouvernement n'est pas obligé de payer pour ça. Discussion t'a faite, effectivement, dans certains moments, il était question pour que c'est TNH. Seulement que tu as un droit pour l'État, tu es capable pour TNH. Mais par la suite, au plus haut niveau de l'État, le président de la République, ok, compris, dit l'État haïtien a payé droit et toutes les médias bénéficier de lui, c'est très bien. Et nous toujours connaissons que dans le passé, tout un grand accord avec les médias pour bailler une contribution, bien pour payer un certain montant, bon, ça va jamais être fait. Eh bien, qui ça me discuter avec ANMH et AMI, et ça qui concerne l'autre média qui peut-être attendait là, c'est que pendant que le gouvernement fait et investissement ça, eh bien, pendant mondial là, et tout média qui a diffusé mondial là, message que le gouvernement a gagné, publicité, spot que le gagné, le gain posé, il a passé, média a passé spot gouvernement, spot institution publique dans le pays, pour assurer que plus ou moins une certaine équité. Dossier éducation, président commission éducation Sénat République là, Denis Kado, encouragé candidat Capguin pour participer dans l'examen baccalauréat, respecter tout principe ministère établi. Le parlementaire a souhaité tout responsable mettre tête ensemble pour permettre l'examen bien déroulé dans tous 10 départements géographiques pays. En suivant extrait, dans le micro Élisère Colo avec Danius Théodore. Examen philo pour le fait lundi prochain. Et que parents assument responsabilité pour permettre que Timoun respecte les consignes ministère là, de sorte que nous assurons nous, dans le jour examen qui va passer, il n'y a pas de problème entre surveillants et élèves dans la salle de classe. La recommandation pour nous faire, c'est de permettre que Timoun ne soit pas victime de propres erreurs ministère là. Et assurer nous qu'il y a bénéficié point haut, parce que si quelque part un problème qui posait dans l'élaboration d'un item, si nous le même, il n'est pas capable de payer responsabilité. Manquer seulement 5 jours pour date examen baccalauréat arrivé dans tout pays. J'ai eu qu'on fait ça dans en pile l'école, dans la capitale là, si tout, responsable diverses écoles, ou soit élèves, toujours mettez tête ensemble pour faire révision, ou soit suivre cours rattrapage, en façon pour yo assurer, yo pas perdu aucun détail dans le programme ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle là. John Herbie Kaseyus avec Toussaint Fresnel t'es visité lycée Alexandre Pétion. Y a dit plus dans le reportage ça. La veille baccalauréat en Haïti, c'est un championnat de football qui pourra le lancer.
tout le monde a préparé, craser bête, ou soit chercher concours camarades de l'école, et en façon pour être capable de mettre à jour avec le programme ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Dans le cadre de Viréon, nous réalisé dans la capitale, nous avons croisé avec un groupe élève philo Alexandre Pétion qui travaille mathématiques. Sous tableau, Renan Joseph a expliqué qu'on discipline un exercice mathématique. Étant donné que l'examen c'est lundi 6 juillet, cap 25, bon, nous venons dans le cours, dans le lycée, bon, professeur Apoko vini, nous pas voulu rester en rien, en affaire, bon, nous sommes obligés à travailler. Pour l'année scolaire, je pense que tout le bagage est passé en bien. Parce que au cours d'année, il n'y a pas de grève qui peut empêcher nous de venir à l'école, et je pense que tout le bagage est bien. Malgré les difficultés, les difficultés rencontrées pendant l'année scolaire, les lycéens étaient quoi la passer dans l'examen. Le fait qu'on est, moment rattrapage là, c'est l'occasion pour lui chercher à comprendre tout ça qui pas privé saisi pendant jour classe. Bon, nous pas venir chaque jour. Nous avons et une semaine depuis qu'on a fait. Et moi, je prépare l'examen. Bon, mais ça que je suis capable d'aider les vieux avant tout, c'est pour être capable d'étudier et travailler plus. Examen baccalauréat a réalisé sorti 25 pour arriver 28 juin 2018. En attendant date l'arrivée, chaque élève de l'école privée ou publique a essayé de mettre dans le diacoute tout ça n'a pas privé saisi pendant l'année scolaire, de façon pour apparaître en forme dans l'examen. Conférence spéciale ministère communication mercredi 20 géante et occasion pour ministre Kilti à communication parler son ensemble travail qu'a fait pour bail bois caïman valel ta doué gagner. Dans ce sens, le ministre Joseph Guilherme Delva a expliqué qu'il a déjà réalisé une mission sous SITSA avec une délégation qui a gagné une vingtaine de représentants de diverses institutions, dans le coup ISPON et BNE. Un extrait dans le micro Rachel Sinfo et Frenel Toussaint. Nous sommes en mission dans le bois caïman pour nous capables de rebâtir la valeur ou bien de valeur à SITSA qui sont sites. Extraordinaire que le pays d'Haïti gagne pour soigner parce que c'est un lieu, ça doit être un lieu de pèlerinage pour tout le monde sur la terre, pour tout le monde sur la terre, mais pour tout le monde sur la terre qui croit en liberté. C'est Ponti Bagapiti, Bois Caïman, et nous avons fait mission là avec c'était une vingtaine de monde qui allaient dans la mission ça. Nous jouons le représentant Enats, Philippe Dodat est là. Nous avons un représentant ISPAN, ingénieur durandiste est là. Nous avons un Ewald Josué de BNE, Bureau National de Technologie. Nous avons un ancien premier ministre Evans Paul qui accompagne nous parce que lui-même, c'est le monde qui sont dans la zone là et qui est intéressé en pile dans le projet. Nous avons un pile d'autres personnalités qui était avec nous, y compris arpenteur DGI, qui était allé, qui commençait à garder périmètre, côté nous avons besoin de faire, mettre monument, Bookman, et toute l'autre infrastructure que nous avons besoin de mettre sur site Bois Caïman pour que le monde saute d'un côté, n'importe quoi saute sur la terre, ou quand vous prenez le Bois Caïman, et puis pour vous, plus ou moins, qui ça représente. Parce que Bois Caïman, il représente en pile dans l'histoire. Pas l'histoire du pays d'Haïti, mais l'histoire de l'humanité. À partir de 14 août, Cap Vigny là, nous parlons de gros événement l'autre bois tout. Le président Jovenel Moïse m'a demandé pour m'assurer que Bois Caïman parité dans l'Italie. Alors, pour ne pas voir Bois Caïman valeur, mettez-le dans le niveau loyer. Nous allons observer la deuxième pause dans le journal là, pas débranché, n'a pas tourné dans un petit moment. Chérie, pour son travail dur, je pense que nous avons acheté Beltikay ça, oui. Beltikay, nous avons acheté l'école, nous avons payé l'université, voyage, retraite. Qu'on y a ici, nous avons un problème. C'est dans quoi pour retraite là? Pas courir dit ça. Ou beaucoup parler avec AIC. Et AIC a fait de nous planifier l'avenir et jouer une plus bonne solution dans la gestion de problème. Et AIC a fait FlexiCash. Il aide à faire économie pour qu'on joue l'argent pour réaliser le rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance, c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons solution.
décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que mourir problème financier comme ça? C'est pas ça nous a souhaité. Mais si ça t'a le cas, moi-même, m'a continué take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Maintenant, AIC nous porte des solutions pour tout assurer. AIC. Prends une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 0 jour. AIC, c'est moins ce problème, plus solution. AIC à faire. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet. Solide coup, wash. Désirable. Oubliez rêve ou vignon réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel, qui c'est une clinique naturopathique, ouvre porte li bien grand, sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant coup, kyste, fibro, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite à quelques lotes encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12. Ou bien relé dans 37 48 02 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça y a kaba naturellement. Actualité à poursuivre sous Télévision Nationale d'Haïti, une délégation qui gagne en tête le ministre Kilti à communication, Joseph Guilherme Delva, visité mardi 19 juin site historique Bois Caïman. Visite sa fête pour travail sur un plan pour établir un mémorial capoté non mémorial de la liberté. Pendant visite ça, ministre Delva te gagne avec lui, directeur ISPAN, directeur l'école nationale DESA, directeur bureau national ethnologie avec ancien premier ministre Evans Paul. Esaïe Aurelius avec Evans Joseph Contrandi. L'espace est une cinquantaine de hôtels disponibles pour créer espace ça, cap dédié avec Ewo Bakayman. Mémorial Liberté a bien la donne, un statut bookman, création d'une zone protégée avec un espace réservé pour pratiques religieuses. Démembré, Bois Caïman, Grotte la Brise, c'est trois espaces qui déjà identifié pour commencement de travail, yo, d'après l'autorité concernée. Une démarche qui doit porter l'autre visage à la communauté ya, et puis aider les citoyens sur plan économique, d'après Evans Paul, qui a dirigé Remembré, une organisation qui travaille dans la zone. Nan. Et là, nous pensons que ça n'a pas fait, il faut nous faire ensemble avec les gens qui sont dans la communauté. Ya. Pas de gagner aucun conflit, bouté. Il faut que l'espace Bois Caïman nous respecte, le même genre espace qui déjà attribué à des citoyens haïtiens, faut nous respecter le tout. Pour aller gagner un avantage qui pour le faire, eh bien, on a fait ensemble à l'autorité dans la zone. Nan, qui pour dire, OK, périmètre ça possible, périmètre ça a un problème, périmètre ça a pas un problème. Toute activité pour le faire là, faut tenir compte de jeunes dans la zone. Nan. Protocole là, c'est pour nous faire formation. Si nous avons tout théâtre dans la zone, nan, c'est pour nous associer. Yo. Alors, c'est pour me dire que nous ne venons pas là comme un bon monde pour tout prince qui vient faire un bail là pour nous aller. On démarche côté tout haïtien Macron ensemble, ni autorité locale, ni autorité nationale, ni moun Port-au-Prince, ni moun Bois Caïman. Parce que Bois Caïman va gen mettre. Bois Caïman c'est pour peuple haïtien, Bois Caïman c'est pour haïtien, Bois Caïman c'est pour la liberté. Pour ministre Kinti à communication, Joseph Guilherme Delva, création mémorial ça a fait pour valoriser le travail dans cette yo, te réalisé pour ba Haïti liberté. À partir 14 août cap venir là, intéressé au tableau commencer ouais, premier travail yo d'après ministre Delva. À partir du 14 août, gagné un monument qui a planté là. Mais ça, c'est un commencement seulement. Avec un minimum d'infrastructures pour mettre là, pour le visiteur qui vient, pour être capable de jouer un minimum d'infrastructures qui accueille. Il y a capable de l'État, au plus haut niveau, y compris le président de la République, décider ça n'a pas arrêté comme ça. C'est vrai, depuis 1791, ça fait la fête ici. Hein. C'est vrai. Après 1804, c'est après 1804 que nous avons considéré que nous avons fait un bagage là. Mais depuis 1804, ça fait 214 années, pas qu'il y a rien qui fait. C'est la première fois que ça a fait là, après le fait.
Bois Caïman, trouvez-le dans la section communale Mont Rouge, commune Plaine du Nord, département Nord. C'est une parmi les plus importants sites dans la révolution haïtienne contre l'esclavage là, dans le 18e siècle. Fondation Jacques Brurer organise une journée clinique mobile dans la Fondation Accra mercredi 20 juin pour les gens qui sont plus vulnérables. Pendant la journée, plusieurs personnes consultées et puis joignent soins dentaires avec l'autre soin encore. Fondateur exécutif là, Jacques Brurer, expliqué qu'il a fait intervention ça. Il y a une façon pour aider les gens qui sont plus défavorisés à joindre la soignage. En suivant le reportage, Louis-Marie-Jo et Henri-Robert Chéry. Fondation Jacques Brurer, c'est une institution qui travaille dans le domaine de la santé. Dans tête collée avec plusieurs médecins qui sont dans l'organisation ça. Organiser une clinique mobile mercredi 20 juin 2018 là dans l'idée pour permettre à tout monde qui vit dans la zone Delma 32 yo bénéficier soins dentaires à l'autre service encore. Responsable organisation Jacques Brever a fait connaître yo existé depuis 12 ans. Principal travail yo c'est aider monde qui pi pauvre yo. Well, this is our medical mission and we're partnering with Accra Industries to help support us in trying to get to as many kids as nous avons environ 100 timoun. Il y a un pile dans timoun qui est vraiment dans yo qui dans mauvaise condition. Nous racher presque 70 dents. On connaît les dents timoun n'est pas bon. Donc dans pile l'autre maladie que ça cabaille. Je dis à nous dans Delma 32 côté que n'a pas timoun qui est même problème ça, problème dents, l'autre qualité problème encore. Demain, si Dieu veut, n'a cité soleil pour nous un paquet de timoun encore, environ 2-300 timoun. Et puis vendredi, si Dieu veut, n'a dans Tabar 58 dans High Chai. Donc je dis, on a passé toute journée là. Nous pensons que nous sommes capables d'avoir environ 100 à 150 timoun, 120 timoun. Et en tout, nous planifions pour nous plus que 500 timoun. Donc, mais n'importe qui qui a une urgence, donc il y a toujours venu et nous avons des partenaires qui travaillent pour porter plus de monde venir de temps en temps. Une parent petit qui bénéficie de service ça remercie fondation pour clinique mobile ça. Oui, il y a des problèmes parce que qu'on a fait le mal, qu'on crie le ballon pile pour qu'on pas manger le pas prendre rien tout. Donc l'air ben qu'a fait l'ben dans tombe faire le mal, tombe crier. Et ça fait me content, ça fait me content pile tout là son bel travail à faire tout. Et ça continue travail là comme ça tout parce que moi comme déraché dans moi-même. Papa ti mon mourir et mon cap goma avec 3 ans même. Papa est mort depuis décembre 2010, yo gen 8 ans papa est mort là kounya là et mon cap goma avec lit avec yo et qui côté d'arracher dans des 500 goud et pas gain pour me déracher moi-même. Je fais l'appel pour lui dire ça et c'est me content tout et me dit merci tout. Dans le cadre du programme, dans le cadre de la clinique mobile, ça a duré une semaine. Médecin Fondation Jacques Brever a trouvé mardi dans la commune Kinskoff, mercredi dans la commune Delma, jeudi dans la commune Cité Soleil. L'autre information, organisation Géris pour défense et protection de l'Ouamoun a dénoncé décision, conseil barreau Port-au-Prince prend en compte 71 avocats qui pas inscrits dans Barroa. Mais ça, d'après Maître Brenor Siméus, un membre OJDEP, c'est une violence décret 29 mars 1979 là, qui réglementait profession avocat. En suivant extrait, dans le micro, Midray Milias avec Toussaint Fresnel. OJDEP DH saisit tendez Maître Stanley Gaston à Conseil Barreau Port-au-Prince qui publie un. Non, 71 avocats qui pas inscrit dans le barreau, l'a dirigé dans le journal Les Nouvellistes parce que yo te sommel, li mandé li pou li respecter décret 29 mars 1979 là. Au JDEPDH pote si pour li non seulement ak maître Jean-Tolès Bossejean, mais ak tout l'autre avocat qui subit ak zak malhonnête sa yo. Au JDH a accompagné yo dans toute démarche yo a fait pour faire respecter droit yo dans la justice pays a devant l'autre instance dans pays étranger yo. Au JDH a demandé maître Stanley Gaston à conseil barreau Port-au-Prince pour porter correction à Zach ça pour éviter gros division l'amitant avocat yo. Parallèlement, il y a une commission enquête déjà montée pour aider l'IMIE FED sous dossier ça, d'après représentant centre haïtien service social là, Georges Fille Désiré.
Georges Fidésiré plaide pour gain unité entre membres Bazoche là. Coute explication li dans micro Midrey Milias ak Toussaint Frenel. A estimé que met Stanley Gaston ça nous joigne yo. Yo prouvé vrai que li en violation, en désobéissance à la loi, n'a porté solidarité dans toute action nécessaire tant sur le plan national qu'international pour nous demander corporation sacrement blanc pour destituer lui puisque il pas de place pour la violer droit avocat donc il représente. N'a fois qu'on est que micro TNH était l'ouvri pour bâtonnier avocat Port-au-Prince réagit sous question ça. Divers journalistes dans télévision 2000 exprimé regret yo suite à l'mort collaborateur Jean Motler Charles qui était directeur salle nouvelle télévision 2000 depuis dès l'année. Lunel Jean-Louis ak Moïse Rulbridge Abdinoplis dans Contrandi. Un collaborateur qui était très complaisant, très coopérant, très sympa. C'est ak Moussaïo divers confrères a présenté Jean Motler Charles, directeur de la nouvelle télévision 2000, qui mourit sous cabane de l'hôpital lundi 18 juin, fait 4 heures dans l'après-midi, après le fin de faire plusieurs jours avec la fièvre. Disparition, confrère, qui était un gros vide dans la corporation, hein, d'après confrère Sayo. Motler, ça a eu environ 3 semaines ou 4 semaines, depuis qu'il a eu une fièvre. La fièvre a été durée environ 3 à 4 jours, qui te permet à ce que, dans la période de l'infirmière, il n'y ait pas de travail. Et, tout. Et par la suite, fièvre avait tombé, il devait une allergique qui levait sous lui et fièvre avait pété dans la bouche. Ça devait une cause, visage pas trop normal pour le déca présenter le travail. Il a profité de ça pour le prendre col avant que le déca reprenne le travail. Une semaine après, dans lundi, il était fait effort quand même parce qu'il était plus ou moins le travail. Par la suite, dans lundi, il est venu, il fait toute journée vraiment, l'assurer que tout travail il fait jusqu'à ce que la diffusion journal était bail. Et puis, dans mardi, pour le retourner, il n'a pas senti bien. C'est de là étant, de mardi à date, et nous ne sommes pas encore, et c'est une nouvelle que nous recevons hier soir. Les jeunes gardiens là sont équipe très sympa. Monsieur, c'est directeur, monsieur, c'est coordonnateur de la nouvelle télévision 2000. Il était à la fois directeur de la nouvelle télévision en tout. Mais comme son administration a fait, il y a un titre là, il est respecté. Mais pour nous-mêmes, nous autres qui avons fonctionné avec la salle nouvelle là, c'est ton frère, nous pas ton directeur. Lui-même, tout le monde dit nous ça. Il dit pas obligé de faire, il n'est pas un chef pour nous là. Mais nous, c'est des confrères, des collègues qui ont collaboré ensemble. Et c'est une harmonisation, ça nous veut. C'est dans bien salle de toujours mettre nous. Et c'est un choc nous recevoir là. Jean-Motler Charles a passé 4 années dans la radio-télévision 2000. Les mourants qui ont plaisé Timoun, d'après yon nan collaborateur, yo, Diego Charles, qui t'a parlé avec un peu le regret de défunt. Vision 2000, au-dessus de toute émotion que nous avons capable de nous obligés de continuer le travail. Nous, c'est l'équipe l'a mobilisé, mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Mais nous sommes obligés de continuer le travail là. Jean-Motler Charles, c'était un rude travailleur. Je me suis dit que c'est ça que nous avons souhaité que nous fassions. Le responsable de télévision 2000, pendant deux ans environ, responsable direction information environ 2000 pendant environ 2 ans, mais il y a environ 4 ans de collaboration avec télévision 2000. Il y a plusieurs petites, il était marié et séparé avec madame malheureusement, et c'est dans la condition ça il a quitté plusieurs petites et malheureusement. On va l'observer, on l'autre pause dans le journal là, arrêté branché Neptune. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que les opérés disent ça au fin de payer, ça n'est pas bon même. Koulia, ça fait perdre data avec des dates limites. C'est celle qui celle qui va relever illimité sur data avec limites. On écrit nouveau plan gros le roi avant d'y expirer et puis qu'il met tout ça au fin de payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel, la Koulia, et puis achetez plein gros lot par là. Digicel. Oh!
Au service de la communauté, l'Université épiscopale d'Haïti, composée de 10 facultés, vous offre un programme de licence en 4 ans. Sciences informatiques, faculté de médecine en 7 ans et des sciences de la santé. Les étudiants en médecine ont à leur disponibilité l'hôpital Sainte-Croix de Léogane qui assurera leur stage et service social. Sciences administratives, dont la gestion des affaires et les sciences comptables. Faculté des sciences de la communication et des relations publiques. Sciences de l'éducation, sciences religieuses et celle des sciences agronomiques en 5 ans. Sans oublier ces facultés affiliées en province, dont la faculté des sciences infirmières et sciences de réhabilitation à l'Erogane et Business and Technology Institute dans la ville d'Ekaï. Il existe également un programme de master en sciences informatiques à Port-au-Prince et en sciences infirmières à l'Erogane. À l'UNEF, les cours sont dispensés par des professeurs haïtiens et étrangers chevronnés et qualifiés. Les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'octobre. L'UNEF, qui vous offre une nouvelle session tous les 6 mois, confirme que l'éducation sous toutes ses formes et à tous les niveaux est l'un des plus puissants outils à notre disposition pour effectuer les changements nécessaires permettant de réaliser le développement durable. Passez au numéro 14, rue Légitime Chaudemars, à côté du musée d'art, ou composez le 33 12 75 58 31 21 86 61 22 27 79 62 et 22 26 87 52. L'Université épiscopale d'Haïti pour mieux vous servir. Nous voilà fond coup de pied l'autre bord de l'eau. États-Unis décidé quitter Conseil droit moun l'ONU. Yon annonce ambassadeur américain aux Nations Unies Nikki Haley fait mardi 19 juin. Ambassadeur américain bon côté l'ONU a expliqué Conseil là t'en a passe pour qui côté la protéger côté violation droit moun. En suivre. États-Unis annonce Érythrée dans Conseil droit moun dans l'ONU mardi 19 juin 2018 là. Devant la presse, ambassadeur américain dans l'ONU, Nikki Haley, déclaré Mezissa adopté parce que sans engagement, il ne pas permettre de continuer à faire partie d'une organisation qui a servi propre intérêt. Nikki Haley, dans le moment d'intervention, ça qui était bon côté, secrétaire d'État américain Mike Pompeo, précisé pendant longtemps conseil a été protégé au terme violation de Amunio, sans compter corruption politique. Ambassadeur Nikki Haley et secrétaire d'État Mike Pompeo déclaré États-Unis a prêté un messager droit moun dans le monde. Une décision en pile moun ouais comme une défiance gouvernement américain, bon côté organisme multilatéral. Annonce retrait États-Unis dans le Conseil droit moun dans l'ONU en fait après série critique au commissariat fait contre politique américain dans ce qui concerne la séparation de moun qui gen parents sans papier sous frontière mexicaine. Nikki Haley et Mike Pompeo, bon côté paywa, série décision saliée et échec tentative réforme CDH là. CDH là a été créé dans l'année 2006 pour faire promotion et puis protéger droit moun à travers le monde là. Israël bombardé bande Gaza mercredi 20 juin côté l'armée israélienne frappé environ 25 bases en réaction à qui ont trentaine projectiles qui tiraient dans direction territoriale. Système défense antiaérien intercepté 7 projectiles palestiniens, 3 lots ont tombé en dans territoire même d'après l'armée. Cependant, pas gagné aucune victime y rapporté. Depuis plusieurs semaines, région 1 sous tension côté différents acteurs internationaux levé voyou contre nouveaux tensions yo dégradation situation moun ak économie dans territoire palestinien. Acteurs internationaux yo bay yon mise en garde contre risque yon nouveau guerre. Mais différents titres notés développés pour Asroya, secrétariat technique, états généraux sectoriels nations présentés mercredi 20 juin, perspective pour Ressanea, parmi activités qui prévoient. Il y a un forum qui doit dérouler dans le département nord-ouest pays à 22 juin, Cap Venila. L'État haïtien engagé pour le payer droit à retransmission mondiale là pour un montant 2,5 millions de dollars pour permettre la population en vivre mondiale là, d'après ministre Kilti à communication Joseph Guiller-Sedelva qui t'a intervenu jeudi à sur un ensemble point d'actualité. Dans souci pour honorer mémoire ancêtres nous yo plusieurs monuments à construire sous site Bois Caïman en pleine Dino. Ministre Kilti à communication en tête une délégation qui était gain là-dedans l'ancien premier ministre Evans Paul lancé travail yo hier mardi 19 juin. Actualité à Pilon Lacaille, États-Unis décidé quitter Conseil droit moun dans l'ONU, annonce ambassadeur
américain dans les Nations Unies, Nikki Alefe, m'a dit 19 juin. C'est là que nous mettons en bout dans le journal. Merci pour fidélité et attention. Nous souhaitons nous toutes passer une bonne nuit sur Télévision Pour la.